Bonjour à tous. Nous continuons aujourd'hui notre étude du Barbier de Séville de Beaumarchais en nous intéressant à la façon dont la musique est présente dans l'œuvre. Pour commencer, je vous propose une petite activité de recherche dans la pièce, avec ou sans le livre sous les yeux comme bon vous semble. Je vous invite à repérer tous les moments où il est question de musique. Vous arrêtez la vidéo et vous la relancez quand vous avez trouvé des choses intéressantes. Quant à moi, je me livre à une petite correction. Dans l'acte 1, vous avez deux moments principalement où la musique est présente. Tout d'abord, l'entrée en scène de Figaro, dans laquelle il va composer une chanson très drôle et nous le voyons en train de composer. Et il y a ensuite une chanson qui est d'abord évoquée dans la scène 4. C'est une chanson que Rosine demande au comte de chanter sous sa fenêtre. Et ensuite, dans la scène 6, moment où le comte va réaliser le vœu de la jeune femme. Dans l'acte 2, il y a évidemment l'entrée en scène de Basile qui évoque la musique, puisque Basile est le maître de musique, même si vous aurez peut-être été sensible au fait que c'est le seul que l'on n'entend jamais ni chanter ni jouer dans la pièce. Et puis, il y a ce moment, encore une fois très drôle, où le comte, déguisé en soldat ivre, chante. Troisième acte, il y a un passage amusant et un passage émouvant. Le passage émouvant, c'est lorsque le comte déguisé en bachelier donne une leçon de chant à Rosine, ce qui donne l'occasion aux deux personnages de réaliser ce que l'on appelle un duo d'amour, où ils vont unir leurs voix dans une chanson. Le passage très drôle, c'est quand Bartolo va vouloir lui aussi pousser la chansonnette, et c'est évidemment un passage qui le rend extrêmement ridicule. Il y a aussi dans l'acte 3, ou à la limite de l'acte 3, un orchestre qui va jouer pendant l'entracte. Et là, je vois vos visages s'émerveiller parce que vous venez de comprendre la signification du mot entracte, ce qui est entre les actes, c'est-à-dire le moment de pause dans le théâtre quand on passe d'un tableau à un autre. En dehors de l'intrigue elle-même, il y a aussi deux manières pour Beaumarchais d'évoquer la musique. D'abord dans la préface. Toutes les dernières pages sont consacrées à la musique. Beaumarchais raconte une prétendue rencontre avec une dame qui lui aurait demandé à l'issue d'une représentation pourquoi n'avoir pas fait du Barbier de Séville un opéra comique. Alors, on peut douter de l'existence de la dame en question. Par contre, elle permet à Beaumarchais de consacrer plus de deux pages à l'art de la musique, du chant et de la danse. Et puis, il y a une deuxième façon de mentionner la musique, ce sont les métaphores musicales. Il y en a plusieurs dans le Barbier de Séville, et notamment, nous y reviendrons un petit peu plus loin dans la séance, lors de l'acte 2, scène 8, une tirade très connue qui s'appelle la tirade de la calomnie. Comme il n'y a pas de hasard ou si peu, eh bien, le fait que la pièce soit empreinte à ce point de musique va faire que des compositeurs vont s'y intéresser. Et très vite, 7 ans après la première représentation, le Barbier de Séville va être adapté par un premier compositeur, Paisiello, je suppose. C'est un Italien, je prononce sans doute très mal son nom. L'opéra est encore une fois à l'honneur quelques années plus tard, puisque c'est Nicolas Isouard, un compositeur français, qui en fait un deuxième opéra en 1796, donc une vingtaine d'années après. Le Barbier de Séville de Beaumarchais. Et aujourd'hui, si l'on parle d'opéra quand on parle du Barbier de Séville, c'est une autre adaptation que l'on mentionne en général, c'est celle de Rossini en 1816, qui est l'adaptation la plus connue aujourd'hui encore. Rossini, alors en deux mots, donc compositeur italien qui a 24 ans lorsqu'il s'attaque à l'adaptation et à la mise en opéra du Barbier de Séville, et à 24 ans, c'est son 17e opéra. Alors, pour la petite histoire, encore une fois, la première est une catastrophe. D'abord, il est victime, pardon, d'une cabale, donc il nous rappelle en cela Figaro, et la cabale est organisée par un autre compositeur qui est un petit peu son rival et qui va payer en fait des gens dans la salle et puis inviter des amis pour finalement non pas acclamer, proclamer, pardon, leur mécontentement pendant l'opéra. Et à l'époque, on paye une claque, c'est-à-dire des gens qui viennent applaudir la pièce, ça fait partie des
rituel du théâtre et de l'opéra. Et la cabale vient en plus grand nombre que la claque. Donc, quand on assiste à la représentation, on a l'impression évidemment que c'est un fiasco. Et puis, il est aussi victime, le pauvre Rossini, de plusieurs incidents malheureux, notamment un qui a fait, qui reste dans l'histoire parce qu'il est assez drôle. Un chat va traverser la scène durant la représentation, ce qui fait que la salle, et en particulier la cabale, va se mettre à miauler. Donc évidemment, Rossini rentre chez lui absolument catastrophé, persuadé qu'il n'y aura pas de deuxième représentation, mais en réalité, il est réveillé au milieu de la nuit par une foule à sa fenêtre, qui vient l'acclamer. Rossini donc compose la musique et il ne garde pas le texte de Beaumarchais tel quel. C'est une autre personne, Sterbini, qui va composer ce qu'on appelle le livret d'opéra. Le livret, c'est la mise en, c'est une adaptation, souvent une mise en vers d'un texte pour qu'il puisse être chanté. Alors, voici le texte de Beaumarchais que vous connaissez, et en face, vous avez l'adaptation qu'en fait Sterbini. Je ne parle pas italien, certains d'entre vous le font, vous pouvez évidemment essayer de voir comment cette traduction se fait. Moi, ce que je vous amène à regarder, c'est avant même de s'intéresser au sens, effectivement, on part d'un texte en prose et on en fait un texte en vers parce que le vers est plus propice, évidemment, au chant. Je vous propose que nous fassions une lecture de la scène de Beaumarchais et ensuite je vous proposerai une traduction du livret de Sterbini. La calomnie, monsieur? Vous ne savez guère ce que vous dédaignez. J'ai vu les plus honnêtes gens près d'en être accablés. Croyez qu'il n'y a pas de plate méchanceté, pas d'horreur, pas de conte absurde qu'on ne fasse adopter aux oisifs d'une grande ville en s'y prenant bien. Et nous avons ici des gens d'une adresse. D'abord, un bruit léger, rasant le sol comme une hirondelle avant l'orage. Pianissimo, murmure et file, et sème en courant le trait empoisonné. Telle bouche le recueille et piano, piano, vous le glisse en l'oreille adroitement. Le mal est fait, il germe, il rampe, il chemine, et, rin forzando, de bouche en bouche, il va le diable. Puis tout à coup, ne sait comment, vous voyez calomnie se dresser, siffler, s'enfler, grandir à vue d'œil. Elle s'élance, étend son vol, tourbillonne, enveloppe, arrache, entraîne, éclate, étonne et devient, grâce au ciel, un cri général, un crescendo public, un chorus universel de haine et de proscription. Vous comprenez bien pourquoi ce passage est resté très célèbre et vous comprenez bien pourquoi j'ai mentionné la notion de métaphore musicale. D'abord, vous avez ici des emprunts, évidemment, au monde de la musique, notamment les termes italiens qui évoquent le rythme. Et vous avez ici un éloge de la calomnie, c'est-à-dire de la diffamation. Hein. Alors voilà ce qu'en fait Castil-Blaze en 1816 quand il s'agit de traduire le livret de Sterbini. C'est d'abord rumeur légère, un petit vent rasant la terre, puis doucement, vous voyez calomnie se dresser, s'enfler, s'enfler en grandissant. Fiez-vous à la maligne envie. Ses traits dressés adroitement, piano, 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 par un léger murmure d'absurde fiction, font plus d'une blessure et portent dans les cœurs le feu de leur poison. Le mal est fait. Il chemine, il s'avance, de bouche en bouche il est porté. Puis, rinforzando, il s'élance. C'est un prodige en vérité. Mais enfin rien ne l'arrête. C'est la foudre, la tempête, mais enfin rien ne l'arrête. C'est la foudre, la tempête. Un crescendo public, un vacarme infernal, un vacarme infernal. Elle s'élance, tourbillonne, étend son vol, éclate, étonne, et de haine aussitôt, un chorus général de la proscription a donné le signal. Et l'on voit le pauvre diable menacé comme un coupable, sous cette arme redoutable, tomber, tomber, terrassé. Donc, vous voyez qu'il y a de la traduction du livret de Sterbini au texte de Beaumarchais, des reprises de mots, des reprises de structures, de phrases, des reprises
de morceaux, même de phrases. Et puis, il y a aussi des ajouts, notamment des répétitions. Et évidemment, ce passage en vers qui rend le passage plus aisé à chanter pour des chanteurs d'opéra. Alors, qu'est-ce que ça donne, un opéra? Pour certains d'entre vous qui connaissent, et bien ma foi, ce n'est qu'une répétition. Pour les autres, je vous propose un court extrait de l'opéra de Rossini mis en scène par Anastassov. Alors, pourquoi j'ai choisi ce passage? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la mise en scène est parlante et drôle. Ensuite, parce qu'elle est, à mon sens, de grande qualité. Et ensuite, parce qu'il y a un sous-titrage en français qui vous permet de vous référer au texte au fur et à mesure. Je vous laisse l'écouter et nous nous retrouvons tout de suite derrière. Scorrendo, va ronzando, nell'orecchie della gente, si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa sordire, fa sordire, fa sordire, fa gonfiare. Alla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sembra il volo la tempesta che ne sente la foresta, ma ti schianto molto largo e ti vado a uscellare, alla vita va che soffia, si propaga, si raddoppia e brucia l'esplosione. Come un colpo di candore, come un colpo di candore, un tremuoto temporale, un tremuoto temporale, un tumulto generale che fa l'aria di pompare, un tremuoto temporale, un tremuoto temporale, un tumulto generale che fa l'aria di pompare. E il messino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per la sorte, ma per E il messino calunniato, abilito calpestato sotto il pubblico placero per non sorte va preca sotto il pubblico placello per non sorte va preca sotto il pubblico placello per non sorte va preca si va preca Alors, les plus attentifs d'entre vous ont pu remarquer deux choses. La première chose, c'est que les sous-titrages ne correspondent ni
au texte de Beaumarchais, bien sûr, puisque ils sont faits à partir du livret de Sterbini, ni à la traduction que je vous ai proposée précédemment. Alors, il y a une raison à cela, c'est que la traduction que je vous ai proposée est une traduction. C'est-à-dire que c'est un passage en langue française qui n'est pas un passage mot à mot. Or, le texte que vous avez ici en sous-titrage est un passage mot à mot du texte de Sterbini vers le français. La deuxième remarque que vous avez pu vous faire, pour les plus attentifs d'entre vous, c'est le fait que la musique de Rossini, ici, suit exactement les indications données par la tirade de la calomnie. C'est-à-dire que l'on passe de piano à crescendo sur la fin. C'est-à-dire que la musique accélère au fur et à mesure, évidemment, de la tirade. Pour finir cette séance finalement pas si courte que ça, un petit travail. Dans les commentaires de l'article, vous allez noter ce que vous retenez de cette séance. J'attends évidemment quelque chose d'un petit peu complet, c'est-à-dire ce que vous auriez noté et ce que vous allez noter ensuite, une fois que j'aurai validé, dans vos cahiers. Et puis, pour finir également, un petit cadeau que je vous offre. Quelques minutes de la voix de Maria Callas, qui est, à mon sens, mais c'est tout à fait subjectif, la plus belle voix du monde, alors qu'elle interprète Rosine. Voilà Maria Callas, qui, en plus d'avoir une voix extraordinaire, est une femme d'une grande beauté. Je vous laisse l'écouter et je reviens vous souhaiter une bonne journée ensuite. Una
un petit peu difficile de prendre la parole après Maria Callas, bien entendu. Donc, je me limite à vous souhaiter une très bonne journée et à vous proposer, si vous avez un peu de temps dans cette journée et que vous ne savez pas comment l'occuper, à aller regarder sur Internet quelques documentaires que ce soit sur la vie justement de Maria Callas, et vous verrez que au-delà de la voix et du physique, c'est un destin absolument d'exception. Sur ce, je vous souhaite vraiment maintenant une excellente journée.